Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir l'avancement du potager. Alors en fait, le potager, il a bien avancé, les cultures, il y a des tas de cultures. On va aussi avoir dans cette vidéo beaucoup de récoltes. Alors on va avoir de la tomate, des haricots et encore d'autres trucs qu'on verra dans la vidéo. Donc je vous conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce qu'on a plein de trucs. On a aussi des potimarrons et tout qui commencent. On va voir ça dans cette vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais dire merci aux nombreux abonnés, hein. On est à 50 abonnés, donc c'est vraiment gentil de votre part, merci beaucoup. Et je voulais vous dire que pour 55 abonnés, j'ai décidé de faire une petite vidéo en fait. Je vais vous emmener toute la journée avec moi dans mon potager, on restera toute la journée ensemble et puis on verra ce que je fais dans le potager en une journée. Donc allez, on commence avec le champ là-bas de tout ce qui est courge. Allez, pour les voir, les courges. Regardez le tas de paille que j'ai ramassé. Nous voilà sur la parcelle des courges. Donc on a tout, hein. On a des courges, vous voyez. Elles sont magnifiques, elles ont déjà des petites courges. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, vous voyez. Il y a déjà des petites courges, il y a aussi des pieds de tomates qui ont poussé comme ça. Alors il y a tout, moi je ne pourrais pas trop vous dire. Je sais que là c'est sûrement un potimarron qu'on voit en face dans la caméra. Il y en a un peu partout des potimarrons, donc regardez ça. C'est vrai, ils sont vraiment magnifiques. Donc je suis contente parce qu'il y en a des tas. Et puis le matin, quand je viens le matin dans mon champ et tout, je suis super contente parce que je vois quelque chose. C'est vraiment qu'il y a des tas de fleurs et c'est vraiment magnifique à regarder des fleurs dessus. Et puis je vois qu'il y a des tas de pollinisateurs, du coup c'est vraiment bien. Donc vous voyez, ça donne très bien. Donc pour l'année prochaine, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la plantation. Que je vous avais fait une petite vidéo sur la plantation. Je vous mets le lien de la vidéo sur la plantation dans la description de la vidéo. Nous voici dans la serre. Donc ici c'est rempli de cultures un peu partout. Déjà hein, dès la salade elle est en fleurs. Ça va être le bon moment pour s'occuper d'elle et commencer à ramasser un peu les graines. On a plein de tomates qui sont bonnes à être cueillies pour être mangées. Et il y a des tomates un peu partout, on va les cueillir ensemble après. Il y en a dans tous les sens. Hein. Là vraiment il y a tout, il y a de la noix de crémée, il y a de la longue, il y a des tas de trucs un peu partout. Et voyez, là on vient juste de finir d'arroser, c'est un peu inondé partout parce qu'en fait on a un problème avec le goutte à goutte de la serre, ce qui fait que c'est inondé un petit peu partout. Mais bon, allez, on récolte les tomates ensemble, je vous mets ça en accéléré. Donc voilà les tomates cerises sur un pied, hein. Là j'ai ramassé qu'un pied, je vous montrerai l'autre plutôt dans la miniature, vous verrez toute la récolte de tomates cerises, tac, j'en ai cueilli une autre sur le même pied, donc allez. Donc vous voyez on a tout, hein. Il n'y a pas que de la cerise, il y a aussi de la noix de crémée, de la rouge longue en face, des cœurs de bœuf un peu partout qui rougissent. Il y a juste une cœur de bœuf qui s'est fait manger par un rat, ce qui fait qu'en fait je vais mettre des pièges à rat dans une prochaine vidéo, ensemble on le fera. Tac, là il y a une petite tomate cœur de bœuf qui est bonne à être ramassée, celle-là elle est bonne. Puis les tomates du potager, ça n'a rien à voir avec les tomates qu'on peut trouver n'importe où dans le commerce, c'est délicieux. Donc voilà, on a un petit peu de tout, on a des cœurs de bœuf. Alors là, vous voyez, les grosses, elles prennent encore du temps. Hein. Il y en a vraiment des très 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 grosses, mais bon, elles sont encore oranges et je préfère vraiment que les tomates soient mûres, elles sont meilleures. Et vraiment, les cerises, faut que ça soit mûr, sinon elles ne sont pas bonnes. Il y a des haricots un peu partout à ramasser. Donc alors ça, les haricots, c'est un truc de ouf, tout ce qu'on a. Vous voyez ça, je vous l'avais dit, hein. Il y a un moment, moi, ça arrête de produire tout le temps en Charente-Maritime, en général, ça le fait, et le temps de refaire des nouvelles fleurs. Après, ça redonne à la folie, donc là, tous les jours, je récolte un peu d'haricots. On aura une petite barquette et un peu plus des fois. Allez, bon, en parlant des haricots, nous y voilà. Donc, je voulais vous montrer un peu les melons que j'ai plantés l'autre jour, comment ils ont grandi, là, en quelques jours. Donc, vous voyez, ils sont vraiment très grands, maintenant. Et vous vous rappelez de la parcelle à pommes de terre qui était un petit peu dégoûtante, hein, on avoue. Bah, regardez comment elle est. Alors, les méthodes. Moi, j'ai fait un coup de déchaumeur, donc j'ai vraiment déchaumé et enlevé le chaume. Ensuite, un coup de charrue. Alors, la charrue, c'est quelque chose qu'on dit faut pas utiliser. Faut utiliser, on sait pas trop, en fait. Moi, je l'utilise ici parce que la terre, elle est caillouteuse. Hein, au fond, vous voyez, il y a des cailloux un peu partout. Elle fait 20 cm de profondeur, du coup, elle est pas trop profonde, c'est pas mal. Et après, là, j'ai passé... de quoi un petit peu nettoyer le sol et puis
le mettre à plat pour être sûr. Et là, on va peut-être ressemer des nouvelles cultures. Donc, vous voyez, il y a des tas d'haricots. Ben, on va les ramasser ensemble. Je vous mettrai ça en accéléré. Vous voyez, on est en train d'arroser un peu les haricots avec le tuyau pour eux, du coup. J'hallucine comment ça marche bien. Juste en quelques temps, c'est déjà arrosé. Là, ça doit faire à peine 5 minutes que je l'ai allumé. Et je pense qu'il va déjà falloir que j'aille le mettre sur d'autres cultures parce qu'il est déjà plein, vous voyez. Voilà, donc là, les haricots, ils sont vraiment magnifiques. Là, on a du coup le maïs. J'en profite d'être là pour vous montrer un petit peu le maïs. Là, ici, on a du coup, toujours pareil, le pied de tomate. Et là, on a les poivrons. Pareil, en face, les poivrons que j'ai paillés parce que ça commençait un peu à devenir sec, le sol. Puis, j'arrose pas tous les jours de l'autre côté, donc voilà. Bon, allez, je vous filme la récolte. Direction l'accéléré. Donc voilà la magnifique récolte de ce coin-ci. Bon, ça va, en vrai, ça peut être pas mal. Déjà, on a des poches à manger. Et maintenant, je vais aller ramasser aux autres haricots, à la deuxième ligne d'haricots, les haricots beurre et noir. Et vert, ça fait les deux. Voilà, les haricots blancs, beurre. Donc voilà. Donc, je vais poser du coup des pièges à rats. Alors, mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo quand je vais les poser. Ça peut être intéressant. Mettez-le moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse... une vidéo sur les pièges à rats quand je vais les installer. Je vais bientôt les installer, donc dites-le moi dans les commentaires. Donc voilà, vous voyez, il y a même une petite tomate longue en face. Voilà. Donc là, on a toujours les choux fleurs et les choux Bruxelles ici. En face, des tomates cerises qu'on va aller récolter parce que c'est pareil, il y en a un petit peu. Alors ici, elles sont sous un arbre. Je pense que c'est pour ça, vous voyez, elles sont productives, mais elles produisent énormément. Hein. Mais elles sont pas non plus méga belles, méga balèzes en elles-mêmes. Je pense que c'est qu'elles sont à cause d'avoir été sous un arbre comme ça. Et puis, en fait, je les ai pas plantées vraiment du bon côté de mon potager. J'étais pas trop d'accord pour mettre ici, parce qu'ici, en fait, il y a deux genres de sol un peu dans mon potager. Le sol bon qui est tout au fond, un merveilleux sol sur le côté. Et à partir de là, c'est des cailloux. Dessous moi, c'est des cailloux. Et en fait, les fruits de l'arbre brûlent les racines. Là, cette année, il va pas avoir de fruits parce que ça a gelé, donc c'est parfait. Parfait pour moi, parce que ceux qui produisent ça, c'est un petit peu bête de perdre sa récolte à cause de ça. De toute façon, elles sont pas très bonnes. Les fruits qui tombent dessus, ça ressemble un peu à des cerises, mais elles sont pas très bonnes. Alors, ouais. Là, on a les petits rangs de carottes. Ici, alors on a un mélange de variétés de tomates. Alors, vous voyez, on a des mini tomates cerises longues rouges. Vous voyez, ça doit être des tomates comme ça qu'on dû s'hybrider entre elles, en fait, parce qu'elles sont pas aussi petites que ça, donc je pense que ça doit être qu'elles ont dû s'hybrider entre elles, et donc voilà. Ici, j'ai planté les petites courgettes que j'avais semées avec vous dans la serre sur la vidéo juillet au potager. Et vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Vous voyez, elles sont en train de reprendre là. Le sol en plus de ce côté, il est bon. Je l'ai pas encore paillé, j'attends un peu pour éviter les limaces. Tac, là, on a une petite tomate noire crémée. Donc là, du coup, on a pareil les tomates noires crémées qui vont être petites. Vous voyez, j'en ai ramassé une. Donc là, on a les tomates crémées. Ici, les haricots, du coup. Là. Donc là, on a les cœurs de bœuf qui, pareil, commencent un peu à rougir. Les maladies disparaissent et laissent place à des magnifiques cœurs de bœuf qui rougissent. Vous voyez, on a des grosses partout qui rougissent un peu. Donc déjà, ça, je suis content. Mais en plus, c'est que, vous voyez, elles sont vraiment magnifiques. Et puis, elles vont être assez grosses aussi, les cœurs de bœuf. Déjà, dans la serre, il y en a des énormes, il y en a des petites. Voilà. Alors on a ici toujours pareil les tomates. Alors là on a tout, hein. Moi je pourrais pas vous donner les variétés, j'ai pas mis d'étiquette. Donc bon, voilà, tout ce que je sais c'est que j'en ai des bonnes à récolter qui vont arriver ces prochains jours. Donc dans les prochaines vidéos, attendez-vous à avoir des photos de récolte et tout de cette semaine. Vous voyez, les magnifiques, celles que je trouve magnifiques là, vous voyez, elles commencent un peu à rougir. Alors je ne sais pas ce que c'est, on va bien voir. Je pense que c'est de la noire trimée moi, mais bon, je vais voir. Alors je me dépêche à mettre les pièges à rats parce qu'elles sont tout en bas et donc j'ai peur qu'elles fassent manger. Ici on a un melon, donc je sais pas si vous le voyez. Là vous voyez en face on a un petit melon qui est en train d'apparaître. Et en fait pour les protéger des rats, j'ai mis ce que je pouvais pour les protéger des rats. Donc, j'ai mis ce que je trouvais, hein, j'ai mis ça. Un bout de grillage que j'ai trouvé sur ça. Ici on a toujours pareil des variétés, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est, je me mets d'étiquette. Ce que je sais c'est qu'on a
des noix de Crimée à récolter ici. Moi, en fait, je les vois à la couleur et tout pour la récolte. Alors bon, c'est pas plus gênant que ça. Mince, j'en ai fait tomber une. Ah. Là, pareil, vous voyez, on a qui rougissent, qui vont bientôt être bonnes à être récoltées. Là, on a les courgettes. Donc, vous savez, c'est celle qu'on a repiquée, qui était toute petite, pas très belle, qui était sur l'autre parcelle. Et regardez ici, comment elles sont belles. Je les trouve vraiment magnifiques, moi, mes petites courgettes. Là, le pied de tomate. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous voyez, le potager ici, ça avance, les récoltes de tomates, ça commence. On a beaucoup de tomates, on en a tous les jours en ce moment des tomates. Et vraiment, en plus, il n'y a rien à voir entre les tomates du commerce et les tomates bio du potager. Vraiment, les tomates du potager, j'avais oublié quelques haricots au moment de la récolte des haricots. Du potager, elles sont bien meilleures. Allez, je rassemble toutes les récoltes d'aujourd'hui et je vous les montre après, dans 3, 2, 1... Donc voilà, on voit toutes les récoltes d'aujourd'hui qui s'affichent. Regardez ça. S'ils sont pas magnifiques là, mes petites tomates et mes haricots. Bon, là en ce moment c'est beaucoup de la tomate, on a aussi un peu de courgettes. Moi j'en ai. En fait, j'arrive pas trop à la culture de la courgette. Moi je n'arriverai jamais à la culture de la courgette. Peut-être cette année parce qu'elles sont plutôt belles cette année les courgettes. Voilà. Bon voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle était un petit peu courte parce qu'en fait bah, j'avais pas vraiment le temps de tourner la vidéo. En fait c'est qu'en ce moment j'ai plein de trucs à faire dans mon potager et tout, du coup j'avais pas trop le temps, mais j'ai quand même essayé de vous en tourner une pour en avoir une pour demain dimanche. Allez, et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt, ciao ciao. Si la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout le bazar. Allez,